Ce mercredi 16 novembre 2011, à Auxonne, dans le quartier du 511e régiment du train, a eu lieu la dissolution du bataillon logistique Osterode. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Rakhmadou, présidait cette cérémonie, soulignant le rôle important de la logistique dans les opérations militaires. Pendant 6 mois, le bataillon a soutenu, ravitaillé et maintenu les capacités opérationnelles du contingent français déployé en Afghanistan. Nos logisticiens font un boulot remarquable en Afghanistan. Je crois que l'Afghanistan, dans le combat interarmes, avec intégration dans un environnement interarmé, interservice, multinational de plus en plus complexe, je crois que nos camarades de l'interarmes apprécient le travail fait par nos logisticiens. Des logisticiens ont été décorés de la Croix de la Valeur Militaire au cours de cette cérémonie. Nous décernons la Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze. Donc ces 6 mois de mission, eh bien c'est en quelques chiffres, c'est 102 convois réalisés en dehors de Kaboul, donc à direction du Parwan, de la Kapisa, de la Surobi et du Wardak. C'est 300 missions sur Kaboul. C'est également pratiquement un avion tous les jours déchargé. Courage, rusticité et ténacité ont guidé l'action des hommes et des femmes du bataillon tout au long de leur mission au profit de la force.